Ah, je passe bronze la semaine prochaine si ça t'intéresse. Ok. Est-ce que la dernière game du pour passer bronze, tu pourras m'appeler, on fait un react? Pas de problème. Le buffer, vous connaissez? Oui. Oui. Eh ben j'ai découvert ça. Alors du coup, j'ai testé tous les champions qui me plaisaient bien, et du coup je me suis mis à Jarvan 4 en support. Le buffer en fait, c'est quand par exemple tu utilises un hook de Nautilus sur un mur pendant que tu prends un grab de Blitzcrank, et en fait ce qui se passe c'est que quand tu touches le mur, ben du coup ça fait une interaction qui fait que ton vrai Q-spell marche en fait. Ah, c'est pas tout à fait ça le buffer, en tout cas pas comme on me l'a montré. C'est stocker un sort, c'est-à-dire que tu lances un sort, mais t'es trop loin, et le sort part pas. Et en fait, dès que tu vas te rapprocher de l'adversaire, pof, le sort va se déclencher tout seul. Ah bon? Je crois pas que c'est ça. C'est qui déjà ton coach? c'est Mystero, Mystero Xurima. Et si on a fait une vidéo là-dessus, le point c'est Hit and Run, je sais plus comment ils appellent. Non, pas Hit and Run, ça c'est le Kitting. Non, c'est bien le buffer. Le buffer, c'est quand tu stockes un sort. Enfin, tu déclenches un sort, mais comme t'es trop loin, il va pas se déclencher. Tu continues à courir vers l'adversaire et il déclenche. Toujours des nouvelles terroristes. Non, mais c'est une dinguerie. Bah, Stendex, fais-moi des clips. Attends, donc ça veut dire qu'en gros, par exemple, je prends un E de Shaco. Le E de Shaco, c'est un point and click. Du moment où t'as la range, ça s'envoie. Donc en gros, ce qu'il te dit, c'est que si tu le mets le E de Shaco hors range et que dès que t'as la range, le E s'envoie, c'est ça? C'est ça. Ça, c'est du buffer. Non, c'est juste un sort. C'est juste le R. Range, quoi. C'est ça. C'est il faut avoir une cible. C'est un point and click, comme tu dis. C'est-à-dire, il faut une cible. Donc, genre le R de. Le R de. On a entendu que t'es là, Bob. Merci. Attends, Jarvan. Il nous casse les couilles. Franchement, pas sérieusement, merde. Attendez, les gars, je vais vous passer un message, s'il vous plaît. Oh, le chat de Sixen, vous l'aimez pas ou quoi? Il va résoudre tous vos problèmes de couple. La dernière fois, j'étais célibataire, il m'a ramené un beau brin ténébreux chez moi et m'a fait du boulot. Si vous voulez faire du boulot, offrez des subs, les gars, et vous aurez l'émission Sixen TV Relationship Goal. Voilà, mon anglais, il est absolument absolu. Attends, hey, roue libre girl, moi, je t'ai pas amené du bon aussi, du lourd? J'ai proposé mon pote Marius. Par contre, je valide Marius. Arizona, vraiment, c'est il mérite le boulot, Marius. Parce que Marius est vraiment l'homme à marier, je te le dis. Ouais, et puis Marius, t'inquiète pas, la machine à la vie va te la démonter. Hein. bon, on joue quelle ligne, c'est parti. Ça suffit. Oh, il est en forme et tout. moi, je pensais vraiment que tu allais dire qu'il était réparateur, mais non. Il est pas réparateur, il est démonteur. Voilà. Il va te faire des fuites, il va te les colmater. Oh oui. 9h30, les gars. 9h30, rien que ça. Et puisqu'on parle de ça, à 9h30, je tiens à vous dire que hier, j'ai parfaitement fait l'amour à ma femme. Hein? Oh putain! Oh l'horreur! Comment ça l'horreur? Oh my god! Ma partenaire de vie, hein, je suis comme un petit inséparable. Ça a enregistré, ça j'espère. Merci, bon signal. YouTube. Oh merde! Ça s'enregistre ou pas? Ça s'enregistre, après ça dépend si le monteur veut mettre ça sur YouTube. Ouais, et le monteur il s'appelle comment? Il s'appelle Izen. Bah c'est toi qui montes ta femme. C'est Bob le gosse, ça va ou quoi? Eh, tu laisses ça en montage, un petit con. Ouais, donc voilà, ma partenaire de vie m'a dit, franchement, tu m'as fait l'amour comme un jeune étudiant. Je lui dis, ah ouais, c'est vrai, j'ai 51 ans, je me fais, ouais. Un sacré étudiant, 51 ans, hein. Et Bob, pourquoi tu dis c'est qui le monteur alors que c'est toi? T'as monté ta femme. Je suis démonteur, moi. Ça, on dirait vraiment les blagues salaces, tu sais, quand dans la City Squad, ils sont dans l'avion avant d'être largués, tu sais, où ils rigolent tous, et bim, le premier, il saute, il se fait couper en deux, tu sais, comme dans le deuxième volet de Deadpool, tu sais, tout le monde rigole. Tu l'as vu, le Deadpool contre Wolverine? Ouais, c'est de la merde. Moi, bah, d'accord. Mais tu sais quoi? On va sortir. On va sortir Kogmo, tu sais. Kogmo, alors, sachez que je loue Middle. Maintenant, je prends Del Middle tout le temps. Ah, d'accord. Ça marche de feu de Dieu. Bah, écoute. Au bout d'un moment, je souffre un peu jusqu'au niveau 5-6. Et après, qu'est-ce qui se passe? Je vous explique, hein, à tous les publics et à mes collègues. Qu'est-ce qui se passe? Je me transforme en machine de guerre. Je bouffe la rate de tous ceux qui sont sur ma lane. Merci, Glouka. J'ai relu le conte de Monte Cristo. Parce que j'ai. Tu l'as vu au cinéma avec... Ouais, non, j'ai vu le truc. Non, pas du tout. J'ai vu la bouse là avec Bernard Linet.
Et je me suis dit, ah, quel enfer, vite, il faut que je me purge le cerveau. Donc j'ai ressorti mon Monte Cristo. Attends, donc t'es en train de dire que le film au cinéma, tu l'as vu, le film que tout le monde a adoré et que tu le détestes, c'est ça? Parce que s'il l'avait lu, il l'aurait pas adoré. Il aurait dit, cette adaptation, c'est de la merde, c'est une honte. Ok. Alors, pour info, j'ai Mister Zero qui écrit « Papy, tu as raison pour le buffer, c'est des actions qui sortent à la frame où elles peuvent se déclencher si elles sont dans le buffer. » C'est qui a dit ça? Mister Zero. C'est-à-dire, c'est le coach? C'est un de mes coachs et c'est un... Non, c'est Mister Zero. Paratonnerre, c'est Rémi, c'est Mister Zero, ouais. Ah oui, mais c'est Mister Zero, c'est pas Mister Zero. Ouais. Ouais, allez, bah, il y a un zéro. Il est là, il est sur le live. Mais connard, pourquoi t'es pas sur mon live et tu dis plus bonjour? Ah non, pardon, langage soutenu. Dis-moi, vil faquin, tu as pu me prévenir de ta présence et laisser quelques messages manuscrits sur mon live, voyou coquin. Ah là, ça vous préférez comme ça, mon cher ami? Sinon, ça va, Stenex? Ouais, il t'a entendu, oui. Ah, il a dit, je suis là. Vous n'avez point usé de votre argent et de vos monnaies pour vous abonner. Usez de vos deniers afin de faire profiter de la deal sacrée qui permettra d'être abonné, quel que soit le live où vous êtes, bien entendu. Genre, j'ai mis du lastite. C'est quoi ce cache-papy là? C'était quoi la volonté? Aïe. C'était quoi la volonté du bronze? Non, 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 j'ai voulu viser entre les deux. T'inquiète, okay, ça va venir. Ça va. Papy, puis-je m'enquérir auprès de vous d'une question de la plus haute importance, voire vitale? Ouais. Oh bah si elle est vitale, oui, vas-y. C'est quand est-ce qu'on bouffe, c'est ça? Non, pas du tout, mon cher ami. Je sais quand je festoie et vous n'êtes point invité. C'est uniquement la famille. J'eusse aimé savoir quel est l'état de santé de Bobby le Black, le poussin régent du poulailler. Alors Bobby, comme tous les autres, ils ont été séparés maintenant dans deux éleveuses différentes parce qu'ils sont trop gros pour tenir à 10 dans une seule éleveuse. Très bien. Et donc maintenant, Bobby, il a les 4 blanches avec lui. Ah, Bobby a un harem des plus séduisants. Oui. Chaco derrière, j'arrive. Non, mais je suis fortaise. Puis-je espérer un jour posséder Bobby le Black? Non, je crois pas, non. Ah merde. J'aurais aimé l'accueillir au sein de mon poulailler à venir. À ma mansarde au pied du Garlaban. Ouais, moi je vais le bouffer, donc tout va aller bien. Non, mais non, je vous le rachète. Je vous le rachète sans sub immédiatement. D'ailleurs, Papy Blay, merci pour le Black Shield, le stun de Léona est très bien passé dedans. En fait, t'es beaucoup plus réactif. Ouais. Oh, vas-y. C'est dû à quoi? Non, tu vas pas faire solo kill, pitié. J'ai pas de solo kill, je me suis fait gank. C'est dû à quoi qu'il soit plus réactif? Je sais pas. Bah, peut-être à Mystéro et puis. Merci Rémi pour l'abonnement, c'est pas trop tôt. Hein. Tu veux un coup de main ou. J'ai une question, Papy Blade. Tu fais que de la volaille ou. Enfin, je veux dire, tu fais que de la poulette ou tu fais d'autres volailles? Canard. Oui, le canard, il t'en a parlé du canard, tu l'écoutes pas? Bah vous les avez vus, j'ai fait une vidéo, j'ai fait un vlog, comment vous dites, un vlog ou un vlog, enfin, je sais pas. Ouais. Et sur ce que je fais en dehors du stream. Vous irez voir, je vous fais même visiter ma cave. Oh, ah ouais. Après, personnellement, je pense qu'avec la radio Sixen, vous pourrez visiter plein de caves aussi. Ok là. C'est beau ça, pas fini. Allez, oh, c'est beau, papy, c'est beau. Attendez, c'est gourmand ça, c'est bien. Mais papy, mais qu'est-ce qui... T'as été transcendé là! C'est son fils qui joue! Arrête d'être naïf, bordel! Allez, viens vers nous! Hop là! No joke, papy, je sais pas ce qui se passe là! Quel connard qui a mis un poteau! Mais je joue tout le temps comme ça, je suis concentré! Tu sais le détail, il est où? C'est que t'as touché la cage, t'as gardé l'aggro de la tour, ce qui m'a permis de trouver du DPS pendant que tu te faisais attaquer par la tour. Du coup, tu m'as offert un free DPS. Et ça, c'est des trucs que tu faisais pas avant, je sais pas ce qui se passe là! Si, je fais tout le temps ça, mais c'est parce que je suis pas concentré, c'est tout! Oh putain, qu'est-ce qu'il veut lui? Attends, mais c'est un chaque-wapé, c'est un peu. C'est plus cool. C'est quoi la jungle? Ouais, ça, je te laisse faire, tu connais, hein. Ouais, je connais. C'est allé loin, j'adore l'acier. Oh là, vous le tuez là. Ah ouais, magnifique. Oh, le il pue la merde là de Yone. Bébé, il essaye de se casser. Il va revenir, Coucou! Oh la tabasse! Est-ce qu'on peut dire que mon ADC il est bien? Il a mis des bons coups de bâton là! Hein? Tu as vu ça, Mogo? On lui a mis des bons coups de bâton. Nous l'avons bâtonné sur la place de grève. Il fera moins le malin. Bon, c'est bon. Est-ce qu'on peut dire que mon ADC il est bien? Est-ce que je peux partir avec la torche? Je suis la win condition, papy. N'oublie pas. Alors, je peux partir avec la torche alors? Non. Cher papy Blade, puisse me permettre de corriger votre langage. Ah, quand même, t'as compris! Hein?
Cher Papy Ben, je vous permets de corriger Chaco votre ici. Langage usuel, vous auriez dû dire. Mon partenaire de ligne du bas est un excellent combattant. Je vous étais heureux qu'il m'informasse que nous puissions repartir à la base. Vous préférez ainsi ? J'ai rien compris, mais c'est pas grave. Ben voilà. Attends, mais... Ça fait à peu près 17 minutes... Attends, non, pardon, ça fait à peu près 8 minutes et 20 secondes que je t'écoute plus, donc... Mais pourquoi j'ai Olaf PTA? C'est quoi cette merde? Je te sens désagréable aujourd'hui. Eh, hey, dis-moi, je peux avoir du sauceback un peu ou il n'y en a plus? C'est quoi ce... Non, il en reste. Ça m'a pris, le vocal de fou. C'est combien? Tais-toi, Kizona. On parle de gros saucisson, ça devrait te plaire, non? Ouais, il vient. Voilà, alors. C'est combien le gros saucisson? Je vais en offrir deux à Kizona. Oh. Oh. Voilà, j'espère qu'il est halal. Mais j'en sais rien, on s'en fout. Pour ce que t'as en fait, c'est pas important. Oh là. C'est dégueulasse, putain. Alors attendez. Faut attendre, je joue PTA avec mon Olaf, tu te rends compte? Qu'est-ce qu'il fait? Hop. Je reviens. Bon, mi donné comment là? Non, il est bien, il a pris un kill sur Oh là là, regardez, je suis désolé, j'ai pas... On y va, qui s'en est? Aide-moi. Venez vers la flotte, la flotte. Venez vers la flotte. Oh. Ah, Kizona, on les tue tous. Mets des dégâts, mets des trucs. Allez hop, c'est parti, mon kiki. Là, on tue tout le monde, hein. Bien sûr. Attends, mais comment ça se passe si mal? Ah, nous, on a tué tout le monde, hein. Bâton. Nice. Le PTA Olaf, c'était volontaire? Non, c'était pas volontaire. Mais tu sais, ils ont fait un système trop cool qui fait des runes automatiquement et je sais pas comment on le désactive, c'est trop marrant, ouais. Pas ah, perso, moi j'ai kiffé là. Rassure-moi, tu t'es pas auto Black Shield? Je sais pas, j'ai appuyé sur tous les boutons, il y avait 40 personnes donc. Mais je crois que c'est pas vrai. Ouais. J'arrive. Bah, il y a forcément le vrai, il y en a deux. Voilà, c'est bien joué ça. Faire de la place déjà, il y a trop de. Ça va, de sbires. Je suis heureux, ouais, je suis heureux. Papy Blade, il est en forme là, c'est vraiment une belle prestation. Ouais, j'adore que tu sois heureux. Ah, bien. Papy Blade, tu es heureux? Hein? Regardez comme je m'entiche de la santé mentale de mes alliés. Parce que tout le monde a un moral au top. Sauf le chat de pisse là, au top là. Il est pas en forme. Tiroir à pisse, pardon. Faut aider vous. Il y a Yone, hein. Je me casse. On peut fight. J'ai rien, j'ai pas de vie. Y'a mon collègue qui est pas là, moi je peux, je vais lui raser sa tour. Fight, protégez le Kogmo. Je suis mort. Gardez-les le plus longtemps possible, qu'ils puissent casser la tour de mid. Non. On est parti. Je suis mort et le Black Shield est tombé pile à temps. J'en ai marre d'être aussi fort. C'est moi qui vous fais la game, hein, je vous le dis. Oh l'enculé. Mais attends, mais comment j'ai zéro dégâts avec BRK, c'est quoi ce truc? Je suis là. Allez là, hop, prends-toi ça dans la gueule. Salut, j'ai mis un gros con aide. Attends, je le chope, j'ai mon ulti. Coucou, viens me combattre, t'as des trucs de ninja. Il est chaud, regarde. Prends les grubs. On dirait toi. Bonsoir, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver sur le live et bienvenue dans la Suicide Squad. Que vous soyez un Sixousien, une Akizonienne, un Papy Blade et un tiroir à pisse. Oh, il a eu du mal à le dire quand même. Hein. Un tiroir à pisse. Ouais, j'ai du mal. Pitié, deux secondes, on se concentre là. Là, on est en train de gagner la game. S'il vous plaît, si on gagne la première game, ce serait sensationnel. On peut tout échouer à tout moment, t'inquiète pas. Oh, tu me tues, lui. Oh lolo, j'arrive. Coucou, on va te baiser. Popopo, contre le buisson. Allez, hop là. Je t'ai mangé. Ah, rigolo. Attends, je vais faire la chèvre, ok? Regarde bien. Reste là. Y'a plus de tour, y'a plus de tour. Let's go. Y'a plus de tour. Oh, on va encore le choper contre un muret. Lui, il est pas là que pour la paye de l'invocateur. Derrière moi, Chaco. Merde, je l'ai raté de peu. Hein. J'aurais mis dans le cucu, sur un nul, sans nul. Viens, Chacote. Vite. Excuse-moi, Chaco. Salut. Bon alors, tu viens plus aux soirées? Allez, pour foutre ton truc. S'il vous plaît, barrez-vous de ma lane, non? Oh, c'est moi! Je suis le roi du drift! Non! Je suis le roi du drift! Désolé. Ouais, ça prend le but aussi. Y'a le Drake aussi. Ouais, on va le faire. Roi du drift, tu mais qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui drift comme un cul là? Oh là 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 là, c'est cul. À l'aide, ça me focus!
je suis parti. Là, faut taper là, poteau là. Hein. Je tank, mais faut taper. Hein. Attends. Laisse-moi les sbires, comme ça je régène. Ok, d'accord. Top. On merci, Vexor. Moi déjà. Attends, on se cache là. Cachement, moi je fais croire que je suis parti. Mais non, mais il y a le Drake. On s'en fout du Drake. Cachement. Cachement. On n'a pas le temps de s'attacher venir, aux bêtes. Merci, il va venir, il a envie. Est-ce que j'ai la range là? Oh putain, c'est ici. Ouais. Ça. Ah oui, dis donc. Oula, j'ai mis le gold. Je me barre, je reviendrai plus tard. Je crois que c'est la game où j'ai le plus confiance sur la win. Merde, mais j'ai bu de travers. On va perdre. Ah, ça y est, c'est fait. Mais tout le monde en a eu rien à foutre. Hein. Je l'ai vu là, je Sendex, je l'ai vu. Ouais, non, mais le lancer de H ce matin, il est pas ouf. Hein. Veut, lui. Déjà que je joue PTA alors. Mais arrêtez de venir au mid, vous voyez bien que c'est malin, vous pouvez vous arriver en tant que connard. Putain, mais je ne toucherai jamais une heure donc. Y'a un Olaf. Ça marchera pas ce soir. Putain, je te l'ai laissé, je suis vraiment un prince. C'est vrai. Oh oui. J'ai pas d'infos sur le Darius. J'arrive. Fight. Ouais, merci beaucoup pour ton contenu incroyable. J'ai tout tanké. Ouais, ça. Oh. Allez, on tape. Voilà. Oh. On va être tout manqué là. Allez, Stendex, on s'arrête plus là. On pousse. Ah, y'a plus de. Y'a plus de wave. Elle arrive. Pour les copains, la tour, hein. Merci, Drané. Allez. Ça va aller très vite. Attention, Darius. C'est vrai que c'est aller très vite. On s'en fout d'arriver, c'est de la merde. Le bâtiment pour voir ses adversaires. Ouais, le boulot. On finit, je veux une finition. Allez, ah, j'ai plus de mana. Le ninjato, Bruno. Je suis là, tout nul. Il y a plus de wave. Ok, j'ai une idée. Déjà que j'ai le froc en bas à cause du PTA. Dans la petite frisée, on se cache tous dans la frisée. Ils vont venir. La frisée, c'est une race de salade ça. Bah voilà, c'est la frisée. Et là on bouge pas, on y croit, non, TP pas. Mais j'ai plus de mana en fait, je peux lancer une hache. Chaque les couilles, ils viendront pas. Vas-y, ils vont venir, il faut y croire. Mais ils sont sur le stream en fait. Mais non, ils sont pas sur le stream. Regardez, ils sont en train de quadriller la zone. Par derrière, c'est coquin. C'est magnifiquement coquin. Ils vont pas savoir d'où on vient là. Coucou. J'arrive, on fait l'autre con là avec. Il y a eu un pilar dans le cul là. Voilà. Attends. C'est le faux. Putain. Ouais, mais je m'en fous, c'est 50 gold le coup, hein. Ouais, c'est des HP en moins surtout. Et 25, ouais, bien sûr que non. On les fight, hein. Ah, bah là, ils sont foutus là, passe par je là, pense là que vas-y. Darius il va clean up. Je crache. Je suis dans une boîte de merde. Vas-y. Je meurs, je suis nu. Chasseurs les connards. Ah, ratio. Voilà. C'est ça, la Suicide Squad. Il nous a fallu presque 2 mois pour nous régler. Darius. Mais qu'est-ce qu'il veut, Darius? Il veut qu'il... Allez hop, chasseur le connard. Voilà. Allez hop. D'abord, on va pas être de trop à 5 sur le buff, non? On est pas trop mal, là. Ça. On les voit, comme Arizona, ça. Arizona, tu préfères faire des raptors par rapport au Nashor? Ouais. Non, mais ils m'ont mal regardé. Ok. Non, mais oh. Attends, j'en reviens pas, j'ai l'impression qu'on va gagner. J'ai pas de ward. Ça fait 2 mois qu'on s'entraîne. Mais là, tu vois, public. Tu l'entends. Le chant de la sirène de la victoire qui corle tel un orignal en rute. Oui, moi et mes compagnons d'infortune, allons directement vers les monts olympiques de la victoire. C'est bien quand tu parles sans dire de gros mots. Oui, bon, ben ça va, on a compris. T'es chiant, la fin. Ouais, moi aussi je t'aime. Fleur de Bobby. Allez, on y va. Oh, ah, je suis big là. Ouais. Peut-être qu'il a moi j'ai Metallica à fond dans les oreilles donc c'est bon. Oh, mais bon, ouais, 50 gold là, 50 gold direct, 50 gold. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Mais restez ici, madame. Je crois que ça finit mid. Les gars. Ça finit mid. Buff Nashor. Je gêne. Darius, c'est top. Moi j'aimerais bien faire un V1 avec mon Darius. Alors on finit mid. Quand il y en a un qui s'exprime mal, je lui fonce dessus, voilà, je lui tire. Mid. Je prends l'aggro, tu es prêt, Sixin? Ouh, j'ai gagné mon 1v1.
Non, je vais chialer, les gars, on va gagner. Il est là. J'ai gagné mon 1v1. On va gagner. Oh là là, on comprend rien à ce qu'il fait. On va gagner. Aujourd'hui, c'est que de la victoire. Qu'est-ce qu'elle veut la conne? On la mange. On les dégage que j'ai, what the fuck. Pour la win. Esquive. Regarde le kite. Gozu. C'est posu là. Allez. Oh là, let's go. Masterclass. GG. Qui n'a rien à voir avec les pattes. Putain, pour merci, le point il est heureux, les gars. Les gars, quelle est la différence entre ce game et toutes les autres games? Je propose qu'on l'a pas écouté, Bob. Bob le gob est resté sur sa lane. Il l'a pas mangé un seul de nous. Tu sais quoi? À la prochaine, je vais me promener de partout pour bien te faire chier. Écoute-moi bien. Voilà. Amuse-toi à me menacer. J'ai déjà mais un plan qui est. Tu vas faire quoi? Mais tu verras. Allez, c'est bon. Plan zizotage pour la prochaine vidéo, la team. Et ils savent de quoi la on prochaine va vidéo ou la prochaine game. Oh les dégâts de la game, what the fuck. Écoutez, si vous voulez découvrir la suite, du coup ce sera le prochain épisode. Bon là, le prochain épisode, je vais lui faire une spéciale, vous allez le découvrir. D'ailleurs, j'espère que vous avez aimé la vidéo, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, dites-moi si vous aimez toujours la Suicide Squad. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est important, rendez-vous demain 16h pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, merci à vous de suivre mon contenu, peut-être bientôt en live. Souvent c'est le dimanche, à peu près vers 9h45, on fait la Suicide Squad. Donc n'hésitez pas à passer si vous voulez voir tout ça en live, tous les zizoutos du chat, ils sont très heureux. Bisous.